Je t'ai dit qu'on met le couteau à gauche. Chérie ? C'est bien toi, mon cher mari ? Ah, ma vue n'est plus ce qu'elle était. As-tu vu mes petits oiseaux ? Oh, les pauvres doivent mourir de faim sans leur mamie. Petit petit ! Petit petit ! Oh, non, non, non ! Je crois que des gens frappent à ma porte, mais pas comme autrefois, pas des soupirants. Je les entends. Et ils n'ont pas l'air très polis non plus. Mamie Chiffon, laisse-nous entrer. Oh, ils finiront par partir s'ils ont deux doigts de jugeote, mais que de tracas. Voici la clé de l'entrée, mon petit chat. Dis-leur de cesser ce raffut. Tu veux ? Les petits oiseaux ont l'air tristes aujourd'hui. Sois prudent, Corvo. On l'appelle Mamie Chiffon. Son nom ne te dirait sûrement rien, pas plus que le nom de sa famille. Mais un empereur l'a voulu pour femme, jadis. Et de jeunes fortunés se battaient pour avoir ses faveurs. Je l'ai vu les contempler tous, les évaluer, mais sans donner suite. Puis, elle a fait d'autres choix. Tu pars affronter le grand superviseur, le chef d'un important culte voué à ma destruction. Que vas-tu faire, cher Corvo ? Je t'ai dit qu'on met le couteau à gauche. Ça a toujours été comme ça. Pauvre mamie. Jamais. Qu'est-ce que... Donnez-la ! Cassez-lui les dents ! Mes petits oiseaux ont l'air tristes. Toujours été comme ça. Mais tu n'écoutes jamais. Oh, mon cœur, tu nous as débarrassés de ces malappris, mon bel homme. Écoute, mamie a un cadeau d'anniversaire pour toi. Je l'ai reçu de l'outsider, et maintenant, je te le donne. Vas-y, c'est en haut, sur la coiffeuse. Je crois que ça t'ira vraiment très bien. Te souviens-tu comme nous dansions ? Nos soirées étaient plus somptueuses que celles au manoir des Boyle. Tout le monde voulait venir. Mamie, 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 tu dois m'accompagner. Mamie, 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 la mort danse. J'espère que tu apprécies ton petit cadeau. C'était la moindre des choses, comme tu m'as débarrassé de ces vauriens. Je ne supporte pas ces morveux de Bottle Street. Tout ça, c'est de la mauvaise graine, des brebis galeuses. Et ce Slack Joe est le pire d'entre eux. Je pense à une chose. Tu pourrais me rendre un autre service ? Une toute petite faveur. En échange, tu aurais un autre cadeau.
Une superbe rune, encore une, taillée dans un os de baleine. Tu te souviens de mon médecin, le docteur Galvani? Ça, c'est un homme brillant. Il garde toutes sortes de boyaux de rats et de maladies dans son laboratoire. Imagine si un peu de ces boyaux atterrissaient dans l'élixir du gang de Bottle Street. Ça leur apprendrait. Règle-moi ça, veux-tu? Je te trouverai un autre cadeau, comme le premier. Galvani vit sur Clavering Boulevard, ou du moins c'est là qu'il vivait. Ah, la belle époque! Allez, file, mes bébés enfin, les chéris. Petit, petit. Ils font les timides. File, sinon ils ne viendront jamais. Sinon, ils ne viendront jamais. Les petits oiseaux ont l'air tristes aujourd'hui. Si j'étais un petit oiseau, je mangerais ça. Oui, ça me ferait envie. Dehors,